Alors, Madame Munoz, bonjour. Vous êtes la présidente de Mosaïque, une association qui se trouve basée sur Canteleu. Est-ce que vous pouvez me présenter votre association ? Alors, l'association Mosaïque, son but, c'est entre autres de promouvoir la culture africaine en France et particulièrement donc, en Seine-Maritime et à Rouen et les alentours. Donc, promouvoir la culture africaine, mais aussi favoriser les échanges interculturels et plus particulièrement avec un pays, le Congo, puisqu'on a pratiquement tous les enseignants qui travaillent pour Mosaïque sont originaires du Congo. Donc, votre association compte combien de membres à peu près ? À peu près 70 membres. Alors, c'est donc des membres qui sont adultes ? Il y a des membres adultes et 70 membres adultes, hein, puisque pour l'instant, nous n'avions pas ouvert de cours pour enfants et nous ouvrons un cours pour les enfants à partir de la semaine prochaine basé sur Canteleu. Alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être de laisser un contact si jamais il y a quelqu'un d'intéressé. Exactement. Alors, je peux vous dire que l'association, le siège de l'association se trouve, je ne connais pas exactement l'adresse, parce que c'est pas moi qui... Elle a changé il n'y a pas très longtemps. Elle se trouve au 62 avenue Gustave Flaubert à Rouen. Et le numéro de téléphone, c'est le 35 71 51 96. Madame Munoz de Mosaïque, je vous remercie. Merci à vous.